Quoi, mais t'as de pervers, n'importe quoi! Je suis pas en train de faire des trucs cochons, je suis en train de chauffer mon cutter! Non, mais ceux-là, regardez là! Alors aujourd'hui, on a un colis de Mister Jubé. C'est pas la première fois que je vais acheter du matos. Quand vous tombez sur ces annonces, sur Le Bon Coin, parce que c'est là que la machine était. Faut pas hésiter les mecs, hein. Après c'est toujours le même sketch, hein. Il y a des gars qui attendent d'office un mois ou deux, ils se disent le vendeur va se désespérer, je vais lui proposer 100 balles et en plus il va me payer les frais d'envoi ou il va me la livrer. Et en fait à un moment quand tu as du matos propre, faut pas arriver chez 15 jours, tu prends. Hein. Alors, il m'a mis un petit mot. Alors, Solumani, voici comme convenu l'IPRMT au bas haut, propre mais sans plus, je ne l'ai pas démonté. C'est comme ça qu'il était dans l'annonce, prix super sympa. Il appartenait à Ambu Blanc, puis moi, donc il n'a pas été rossé, comme tu dis. Une fois de plus, par hasard, c'est une machine à Ambu Blanc qui vient chez moi. Il y a un Luc là, il va craquer. Quand je vais lui envoyer un mail, tiens, j'ai ton MT. Je vais en profiter pour te mettre des bricoles qui me servent plus et mes bouteilles de lait. Ouais, ça c'est une astuce à la con. Les bouteilles de lait, ça pèse rien. Et ça protège super bien les colis, en fait. Hein. Tu vois, les petits cartons vides et autres, ça marche super. Moi, j'attends impatiemment mon Fire Team. Et oui, il a profité de la super promo qu'a fait Race RC Modélisme. Donc, Hervé, prix de lancement. Donc, non, il a 750 quasiment, il a fait 685 €. Et certains pouvaient en profiter les 8, 7 ou 8 premiers, je crois, d'un code promo pour avoir 5% de plus. Donc, un prix d'enfer pour ce Fire Team. En plus, on compte sur toi, Julien, pour nous donner ton ressenti sur la machine. Moi, perso, comme dit, je pense qu'elle est beaucoup trop lourde pour la Mecha 1.8. Surtout le combo ne suivra pas. Il peut emmener la machine quand même à 90, mais toutes les vidéos que j'ai vues, c'est clair, les mecs, pour une fois, les Amerlocs n'ont pas menti. J'ai vu CCRCX et d'autres faire les essais. 6 minutes, c'était torcher la batterie 6S 6000. Ça fait mal. Après, en promenade, tu vois, pour atteindre un quart d'heure, dépenser 750 balles pour se promener, c'est pas mon rayon. Alors, si nécessaire, je lui changerai le moulin. Pour rester en 6S, tu conseilles quoi? Je pensais au 1450 du Sen Reaper, tout à fait. Et un autre encore moteur qui va très bien. On a de plus en plus de retours sur ces moteurs. Les moteurs Rocket 4985. Ce n'est pas les meilleurs. Le 1500 est très gourmand, je crois 140-150 A. Par contre, le 1100 est donné à 105 A. Attention, il est donné à 105 A en 8S. Donc en 6S, ça ne sera pas tout à fait la même. Mais plein de gens ont essayé. Vous avez vu, moi j'ai fait un essai avec un 750 kV, en 49-85. Capignon de 23, on est bien. C'est sûr qu'avec un peu plus de kV, on trouverait peut-être un meilleur milieu. En 6S, le 750, je pense, je vais y mettre 8. C'est comme ça. Mais ouais, donc le moteur du Sen Reaper 1450 kV, c'est un de mes chouchous, c'est sûr. Et en plus, il a les trous M4, ça va bien. Donc 49-85, 1100 kV. De chez Surpass, il va bien aussi, et c'est vrai que les 82 et 92, c'est pareil, hein. T'as pas les meilleurs rendements avec ces moteurs, mais c'est déjà pas mal. Il faut dire ce qu'il y a, le Spectrum d'origine n'a de loin pas les rendements qu'on devrait, on est censé avoir avec ces moteurs. Là, mon atelier a cassé un rotor d'un Hobbywing 4274, il me l'a ramené, et je vous confirme que même les rotors, donc Taurus Surpass à capteur, donc VS Line, WS Line et Connect sont plus courts que les vrais rotors Hobbywing 4274. Maintenant, il faudra ouvrir un XR8+, pour voir la différence. C'est sûr qu'avec le capteur, il faut un peu plus de place. Mais bon, on n'est vraiment pas plus grand que ce qu'on a reçu en moteur surpasse sur les rotors. Hein. Et ce qui expliquerait aussi que le rendement et la chauffe... c'est pas toujours top par rapport au simple vrai Hobbywing. Donc, si vous prenez un XR8+, moi, perso, je peux que vous conseiller de prendre le vrai Hobbywing 2250 kV XR8+, à capteur avec, qui a... Je vais tester, vous aurez la différence, bien sûr. On n'a pas les kV, mais ce qu'on a pensé dernièrement, c'est vrai que si tu laisses ton timing à 0 ou en négatif, de toute façon, tu perds des kV. Donc, tant qu'à faire, il y a moyen de sortir quelque chose de bien de là. Alors... Là-dedans, j'ai la boîte d'origine du IPRMT, qui est donc une boîte de réduction qui ne contient ni différentiel ni rien, mais qui avait déjà l'option slipper.
C'était une option au départ et de série sur les derniers modèles. T'as vu comme elle est compacte cette boîte? Je suis certain qu'on pourrait monter ça dans un Fireteam, mais le problème c'est qu'on n'a plus de diff centrale. L'idéal ce serait d'avoir... Alors tu peux prendre la boîte du MT, mais franchement, l'idéal ce serait vraiment le slipper plus la réduction. Ça c'est... J'y tiens. On a 4 cales pour Traxxas Max qui permettent de monter n'importe quelle roue 1/8 sur un engin qui a une sortie de 6 mm. Parce qu'il y a plusieurs engins dans ce cas. Quand tu veux monter des roues de 1/8 buggy sur certains SC, par exemple, il te faut cette petite cale sur la roue si ton filetage est assez long. Évidemment, il y a des endroits où le filetage n'est pas assez long, donc ça ne va pas. Hein. Méfiez-vous, faites gaffe. On a un thermogun, mais la vache, alors ça, c'est pas la version petit kiki que moi j'ai. Hein. Moi j'ai le truc chinois à 7€. Ça, ça doit être un peu plus balèze. 32. 34. Tout va bien. Génial. Il y a même le truc de sécurité du laser dessus. Si tu peux nous dire où tu as eu ça et combien ça a coûté. Moi, comme dit, j'ai un petit truc à 7-8€. C'est pas ce qu'il y a plus précis, mais c'est déjà pas mal. On a une radio et un récepteur dragon, donc de serpent. Donc il y a... On a remarqué, comme dit, sur les gros engins, sur la MT et autres, le frein, c'est vraiment court, c'est brutal. Mais en programmant la plage du neutre différemment sur le vario, eh ben, ça allait bien. Ça allait bien. Franchement, et sur les petits engins, évidemment, c'est nickel. Donc ça, c'est clair que ça va partir sur un engin Tombola. C'est super. La radio Bow avec la bride de puissance, frein et gaz séparés. J'adore. Les rilsans d'emballage X-Max pour coller les pneus, c'est géant aussi. Alors, moi, je voulais pas les roues. J'ai proposé à Jules de garder les roues et de les vendre à part parce que moi, j'en ferai rien. Les roues d'origine ne m'intéressent pas. Et... La clé de roue de fou. De 24 mm. Après ça, ce genre de truc, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils font pas 17 d'un côté et 24 de l'autre. Tu vois, un petit affinage et autre chose de l'autre côté. Overkill, hein, la taille de ce truc. Je sais pas pourquoi ils font ça chez Intelli. C'est peut-être pour, si tu enlèves la tige, tu peux dévisser du coup facilement à la main. Les bacs lipo. Et ça, je suis content. Ce sont les bacs lipo, les fins, les petits. Parce que ce modèle-là est déjà livré avec les gros bacs. Mais moi, j'aimerais rester léger sur cet engin. Et du coup, je suis super content de recevoir les petits bacs avec. Celle-là, je ne m'y attendais pas. J'étais prêt à les commander chez Projo Hightech. N'oubliez pas, vous pouvez tout commander chez Projo Hightech de ce qui est Obao, HPI, Sen Racing, Serpent, etc. Si c'est pas dans la boutique, pas de panique. Surtout si vous voulez un ensemble, vous faites la liste avec les références, mettez le nombre que vous en voulez une fois, la ref, vous précisez en bas, en haut pièce Serpent, pièce Obao, pièce machin, vous lui envoyez la liste, vous faites le devis, il commande tout, et ensuite vous choisissez de recevoir soit tout de suite ce qui est disponible parce qu'il y a urgence, ou ce que moi je fais en général, c'est d'attendre que tout soit là et reçoit une fois un gros colis. Pareil chez RC-Race Modélisme, chez Hervé, tout ce qui est pièce Horizon 8, Serpent, tout ce qui fait en machine, vous pouvez les avoir. On a des roues Kanzen X-Max pour porte-fusée. Des câbles de charge XT90. Ce chargeur, merci, c'est génial. Et le bébé avec sa roulette. La notice, et il y a même encore le reste des stickers. Père coucou. Alors, cette machine, je l'ai acheté à Julien Breton. Et avant ça, elle était en but blanc à Luc.
Donc Luc, c'est quelqu'un de très soigneux. Et ben, Julien, il n'a pas fait beaucoup mieux. Hein. Il l'a laissé soigner. C'est des grands malades. C'est des grands malades. Là-dedans, j'ai déjà l'option du sans pâle. La carrosse d'origine est toujours intacte. Il a même mis des petits trucs Arma. T'as vu ça? C'est un fou. Hein? Comme dit, ce qui est dommage, c'est que cette carreau est beaucoup trop petite. Mais regarde, ça maintenant, je vais pouvoir mettre sur le Hyper VS avec les roues MFT Max et les élargisseurs. Et j'aurai un anti-skater. Beaucoup plus léger, donc plus performant. Ça va de soi. Après, il faudra peut-être quand même mettre un renfort de la tour et l'avant à l'arrière. Parce qu'en MT, après, tu fais des sauts que tu n'auras peut-être pas en buggy, tu as l'inertie des roues en plus. Donc à voir. Hein? Donc ça, c'était une version RTR 6S. On a le 8 BLX 150, donc le Quick Run 150 bridé à 4 fonctions. Le moteur surpasse donc 2000 kV qui a évolué. C'est quelque chose que j'ai découvert avec grand plaisir parce que les premiers, moi perso, j'étais vraiment pas content avec. Très gourmand, ça avançait pas, et on a découvert dernièrement qu'il y avait une grosse différence maintenant. On a reçu ce moteur dans le Serpent, marche à merveille, et on a Seb sur le circuit qu'il avait dans sa VT d'origine, marche à merveille aussi. No problemo, on a déjà les ressorts blancs, la suspension réglée bien moelleuse comme j'aime. C'est déjà la version avec les dernières mises à jour de cardan et de noix. Ça c'est cool aussi. Comme dit, on a le diff central à bord. Alors qu'est-ce qu'il nous a mis dedans en huile? Donc l'huile est encore relativement détendue. On a encore les bacs montés à l'arrière pour que l'engin soit plus réactif sur le décollage du nez. C'est bien sur les sauts, tu as facilement une belle assiette de saut, même si tu ne roules qu'en 4S. Après par contre, si tu roules en 6, je te conseille vraiment absolument de passer les bacs devant. Après c'est possible aussi qu'en but blanc ait monté lui-même les bacs là, et que ce soit les bacs d'origine qu'il a démonté mis dedans. Large capacity battery tray, exact. Donc il les a équipés par après. Donc j'ai ici un engin qui a reçu l'option diff centrale qui coûte 120 euros en gros. Les bacs options, des pièces en plus, des petits cadeaux en plus, une radio en plus pour tout le monde pour la tombola. Et regarde, il m'a filé ça aussi, un vrai thermomètre. Pas le truc du GG comme vous le voyez. Ah, il vise à deux points. T'as vu, je suis chaud. T'as deux points sur la tronche. Ouais. Mais justement, j'essaie de viser de pas tes yeux. Attends, fasse-moi le trou d'oreille. Ah, 35, ça va. C'est bon, j'ai pas le... T'as pas la core wide. La core wide, parce que Covid, en anglais, core wide, c'est la vache large. T'as la core wide. Ou la core wide, en fait. La core wide. Oh, toi que t'as barbe en plus, là, m'étonnerais pas que t'aies le core wide. Oh, moi, j'ai le core wide alsacien. Ah là là, voilà là là, carabarabar. Ce que je vais enlever, évidemment, ce sont les reels en blanc. Bah. Ça par contre c'est cool, le petit velcro pour tenir les câbles, pour pas les amocher. Ça, pourquoi il l'a mis là? Parce qu'il peut vous arriver sur les chocs d'exploser. Là ce sont des vis M3, elles sont assez courtes. Elles s'arrachent de là et l'arceau s'ouvre. Après c'est pas grave, moi j'ai passé des M4 par 40 à travers ou par 50 même avec un micro nil-stop de l'autre côté. Donc ça ira bien aussi. Je peux vous dire que l'engin n'a pas vécu de gros sauts parce que ce petit MT... Alors, c'est une bémol esthétique. Quand tu fais des gros sauts, tu as ici le capuchon de la morteau qui tape le pion de la morteau, le cavalier là, de maintien, et ça fait une petite trace. Il y a une option pour rigidifier en alu, mais elle est pas... Ouais, ça tient que en haut, ça, la tourelle bouge quand même un peu. Je vais peut-être la prendre. On a aussi déjà les nouvelles biellettes avec les grosses rotules, ça aussi ça avait été amélioré. Sur les premiers, on avait de la casse à ce niveau-là. Là, ça a été changé. On a aussi déjà la pièce option ici pour empêcher le pincement. Ça, c'est cool. Ces pièces existent maintenant en alu. On a aussi les premiers n'avaient pas ces grosses vis-là à travers. Maintenant, ça a été modifié par après. Les bras sont énormes. Ça peut arriver d'en péter un sur une grosse gamelle méchante de travers à l'avant. Mais c'est au bas où, ça ne coûte pas une fortune. Et comme dit, c'est facilement dispo. Donc moi, je vais préparer ma petite... Parce que forcément, c'est pour un projet, j'ai une petite idée, je vais pas juste la faire en MT comme ça.
Quoique, à voir. On verra ça. D'un côté, j'ai envie de refaire un petit Tigrou, carrosserie orange et les roues pas larges. Parce que ça me plaît vraiment bien. Et, mais j'ai encore 2-3 autres idées un peu stupides avec. J'ai recommandé un MT Plus aussi. Enfin, MT2. Celui-là, il va venir normalement dans une semaine ou deux de chez Projo Hi-Tech. J'attends aussi impatiemment de chez Projo Hi-Tech le Skater. Parce que S-K-E-T-E-R se lit Skater. Parce que Skitter, ce serait écrit avec 2 E ou un I. Après, tu le prononces comme tu veux, on sait de quoi tu parles. Moi, je vais l'appeler Skittles. C'est pas ça les petits bonbons là que tu peux. Skittles. Les Skittles, voilà. Le Coralie Skittle. Après le jambon, il y a Skittle. Et si je continue à les allumer, il y aura le Coralie Avocat. Salut les gars. Ciao à tous.